Venga, venga! Che non venga! Venga, coglio! Che non venga! Vien serse la crocchetta! Vien serse! Buona crocchetta con broccoli, regalo! Oh, gliela messi! Vien serse! Venga, venga! Chi sei che mi ha fuggito ese toro de mierda? Signora Pignola, ce n'est pas un taureau, c'est Stéphane Rose. Ai che... Madre mia, che gli pavi se lo poil! Gli è confondu! Ah, perdon! Che se... Gli mi dice aussi, il è tutto maigre. Eh? Il fa quoi, 200, 300 kg se le manca? Ai! E che l'ha de tutte petite orecchie, también, oui. Ai! Un cammino scuro! Ai! Sei un bebè! Ma gli è tu pa' le bebè, gli è un etico! Gli è meglio tu le bebè, madre mia di Dio! Se Toyota Corolla, cabron! Gli è meglio tu le bebè! Signora, signora, signora! Signora! Signora Pignola, cervezza, meninguita, colonnese, pancetta, de la vamos a la playa! Che me suis endormi, c'est pas un nom, c'est un phrase! Ai! Appelle-moi Pignola, cogno! Ok! Pignola! Pignola! Pignola, 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 le député Émeric Caron de la France Insoumise a relancé le débat sur la corrida. Ai, que non, que me parle pas de lui, d'Émeric Cabron. Ai, héros de turista de Punta Toyota Corolla, Cabron, ne me parle de lui. Non, je suis là, Pignola, 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 je suis là. Vous avez un problème de vision, non, Pignola? Ai, que si, que si. Je suis plus tout rien que mon ophtalmologue m'a dit que maintenant il devait torer avec un labrador. Et alors? Et alors, il a fait ce qu'il m'a dit, il est toré le labrador. Allez. Il est mort. Il a dit, venga, venga. Il est venu, il s'est assis, il est tué. Qu'est-ce qu'il fait? C'est les siennes d'aveugle, c'est tout mon laçon. Moi, je préfère les taureaux. Les taureaux, ça c'est bien. Les taureaux. Ma vie, c'est les taureaux. Moi, mon acteur préféré, c'est Benicio del Toro. Ah, oui. Mon joueur de tennis préféré, c'est pas Nadal, c'est... Fabrice Santoro! La partie du corps que j'ai pu faire, c'est les pecs. Toro! Alors, on a bien compris. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que... Pignola, Pignola, que répondez-vous à ceux qui vous accusent de maltraitance animale? Que répondez-vous? Faut que tu parles plus fort, cogna! Soyez... Non, non, arrêtez! Non, ce... qu'est-ce que vous pensez? On a le même coiffeur! Le bien-être animal! Pignola! Si, Pignola, juste je fais une parenthèse. Si, si votre sketch ne pouvait ne pas durer 1h37. Mais il veut être les messieurs là-bas sans cheveux, vous avez duré 4 heures. Le bien. Il était en train de m'endormir dans la loge. Le bien-être animal, le bien-être animal. Ah, le bien-être, que c'est que la corrida, c'est du bien-être. Que c'est comme une forme d'acupuncture. Ah oui? Però avec des grosses aiguilles. Si. C'est comme un protocole de fin de vie par anticipation. C'est comme dans les CEPAD. On abrège les souffrances. Tu es fatigué. Tiens, il était tout. Ah, j'y pas. Elle est spéciale, votre muleta, quand même. Et la muleta, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas spéciale, c'est tradition. C'est la. Manque merde, que c'est pas vrai. Aïe, que. Diego! Aïe, cabron! C'est mon neveu, c'est Diego. Il est libre dans sa tête. Aïe! C'est lui! Il a saboté ma muleta! Aïe, que non, que c'est pas ça d'habitude. C'est un anti-corrida, un antispéciste, un vegan. C'est un monsieur madame. C'est un monsieur madame. C'est-à-dire? C'est un tafiole, c'est tout. Qu'est-ce que tu sais? C'est à cause de lui. C'est si. Il pleure en regardant Bambi. Aïe, que c'est un tafiole. Ouais. La première fois qu'il l'a amené à la corrida, il a dit Diego, venga. Il avait 5 ans comme ça. Il l'a amené. Il a fait, tu vas voir le spectacle, magnifique. Il a hierbé de partout, il a hierbé. Ben, c'est quand même très violent, c'est une mise à mort quand même. Si, que c'est beaucoup de la mort, la corrida, si, bien sûr. C'est, moi, alors, et la sas. Là? La sas. La sas. Pam pam, la sas. Ah oui, la sas. Il parle pas français ou pas? Pam pam. Moi, je déteste la sas. Bon, je déteste la chasse, ça va, il comprend, là? Voilà, hein, que c'est au moins, avec la corrida, il n'y a pas de risque de banderie, il a perdu. Oui, enfin... Oh enfin, beaucoup de Français mettent sur le même plan la chasse et la corrida, c'est barbare. Barbare? Non. Quand est-ce que barbare? Un éléphant, on m'a pas dit! Qu'il y a, papa? J'aurais dû prendre des aiguilles plus grosses, on me dit rien, cogno, tu me dis rien aussi! Arrêtez, arrêtez. Bah, Diego, on met les grosses, les catapultes! Barbare, barbare! Ah, barbare? Non!
La corrida che c'est pas mal bar. Du tout, c'est de l'art. Ma che si le sa soeur, il deve s'habiller comme ça en quality street comme moi. Ay. E qui deve faire comme ça à chaque fois, pas de bourré, saut de chat, pour nicotie, entre chaque coup de chevrotine. On serait moins emmerdé. Cogno! Voilà. Che barbare. C'est pas barbare. Faux. Olé! También. Aïe! Ah, tu vois, il s'endorme. Allez, dépêche-toi, dis le texte. Ah, c'est... Ben, normalement, c'était pas à moi, mais... La corrida, c'est un spectacle qui tourne autour de la souffrance, Pignola. Ay, que la souffrance. Que si, que c'est gentil d'en parler, Jérôme. Ouais. Vous êtes un des rares. Ouais. Il n'arrive pas à vous toucher les lunettes, il ne voit plus rien. Aïe! Que si, que je souffre beaucoup, beaucoup, Jérôme. Cinq! 5 heures pour enfiler ses costumes de guignol avec un sauce-pied. Ah, que c'est que... Il porte sur moi le PIB de la Moldavie tellement c'est lourd. Ah, ça pèse un Francis Lalanne muerte. C'est lourd. Ah, c'est... Et que je n'ai jamais pu avoir d'enfant, Jérôme. Oh. Jamais. À cause du colon, c'est trop serré. Il les ouvert ici, tu comprends? Aïe! Enfin, qu'après, faut, après le spectacle, il faut enlever le costume avec, avec une pince coupante, c'est beaucoup de souffrance, beaucoup. Ouais. Alors, si... beaucoup, si... Yeah, beaucoup. Si la loi passe un jour, vous serez au chômage. Est-ce que vous avez envisagé une reconversion, Pignola? Ah, que si, j'y ai pensé. Je me suis dit, peut-être que je peux passer l'audition de Danse avec les stars. Avec les stars, avec les stars. Mais que non, cogno, les stars, les rideaux. Hein? L'émission de danse et de décoration, ça y est, c'est faire. Et un métier aussi dans le dressage. Ah oui? Oui. C'est-à-dire des animaux? Non, cogno, dressage. C'est le dressage de l'étable. Bon, le dressage de table. Ah, okay. Ah, ah pardon. Parce que je sais mettre, je sais mettre une nappe et l'enlever muy rapidamente. Oui. Je te montre, regarde, tu vas voir. Mais comme ça, tu vas voir, c'est un grand professionnel. Il faut que je mette mes affaires dessus. Mais mets tout ça comme ça, mettez des choses très fragiles dessus, vous allez voir que c'est comme ça un grand professionnel. Un, deux, trois. Allez c'est bien. Et voilà. Ah, c'est réussi. C'est ce qu'on appelle une chute. Pignola. Un triomphe pour Karine Duvernay, alors je suis obligé de ramasser moi, mes affaires. Je me débrouille, hein. Karine, que vous retrouvez avec Souris Paul du 9 au 10 décembre à la BD Comédie à Angoulême et le 16 décembre à Toulouse. Voilà, j'ai.